Je vous présente Anne-Ma. Ensemble, nous allons vivre une très grande histoire d'amour. Alexis Trégaro, bonsoir. Je me présente. Moi, c'est Anne-Ma. Hein, dans le jargon du FBI, hein, on pourrait dire que je suis une sorte de cold case, hein, de l'amour. Hein, si je devais me définir, et puis, je dirais que je me sens un peu comme une paire de Nike Air, hein, qu'on aurait offerte à un petit Irakien, hein, victime de mine antipersonnelle, hein, et que du coup, malheureusement, eh bien personne n'en file jamais. Et c'est un peu dommage. Hein. Bref, je suis célibataire et ravie, hein, de vous rencontrer. Et d'autant plus ravie que malgré ce petit côté freaks, hein, que vous donne votre ressemblance avec le personnage de Sinoc, hein, dans le film des Goonies, hein, ce gentil monsieur, hein, que sa maman avait percé trop près du mur, et bien c'est pas tous les jours, hein, qu'on reçoit un véritable galérien des médias, hein, une sorte de chat noir du paf, hein, qui malgré sa même actualité, hein, et c'est depuis un moment, réussi l'exploit, hein, d'être l'invité principal d'une émission qui cartonne, hein, ça, un c'est podcast, vrai. Hein, un podcast, hein, et à propos de succès confidentiel, hein, j'ai découvert, hein, que malgré un démarrage médiatique pourtant assez prometteur, hein, aux côtés de Marc-Olivier Fogiel, hein, qui est un grand professionnel des médias, hein, a tout de suite été convaincu de vos qualités journalistiques, hein, en découvrant sur votre CV que vous aviez été garçon de piste, hein, dans le cirque, une expérience au moins aussi convaincante, hein, que votre passé de caissière kleptomane, hein, au bon marché. Et bien même si contre toute attente, hein, le conte de fées a duré plusieurs années, hein, aussi bien à la télé qu'à la radio, et bien malheureusement, il faut bien reconnaître que depuis la fin de votre collaboration, hein, malgré votre talent indéniable, hein, d'intervieweur et ses litres, hein, de salive, que comme beaucoup de chroniqueurs en quête de visibilité, hein, vous n'avez pas hésité à déverser, eh bien on peut dire, hein, que vous avez risqué la déshydratation pour pas grand chose, hein, dans le sens où à part des magazines culturels, hein, diffusés à 3h du matin, hein, entre un reportage sur le colibri et une rediff de pyramide, eh bien malheureusement, hein, on ne peut pas dire que le directeur d'antenne ait vu en vous le cheval gagnant, hein, cet animateur bankable, hein, sur lequel on peut tout miser. Et même si ça doit être vraiment rageant, hein, comme situation, eh bien d'une certaine manière, hein, ça nous fait quasiment un point commun, dans le sens où je sais qu'à mon petit niveau, hein, que ce soit aussi bien d'un point de vue professionnel que sexuel, hein, il n'y a hélas jamais trouvé aucun homme, hein, autre que mon pépé, évidemment, prêt à me considérer aussi bien bankable que fuckable, eh bien j'aime autant vous dire, hein, que c'est comme Patrick Bruel, hein, en plus d'aimer le poker, hein, vous avez vous aussi eu la chance, hein, d'hériter au tirage d'un beau brelat, eh bien sachez que beaucoup de vie et moi-même, hein, serions absolument ravis, hein, à l'idée de nous laisser plumer jusqu'au bout de la nuit, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Hein, sur ces petites confidences, je vous laisse réfléchir à ma proposition. Hein, en attendant, sachez qu'après l'émission, eh bien j'irai tenter ma chance à Athènes, hein, où visiblement, malgré le froid, hein, les hommes sont chamouillants, hein, donc si comme moi, hein, vous n'avez qu'un souhait, hein, celui de vous embraser, eh bien n'hésitez pas à m'y rejoindre. À votre bon cœur.